cet ambitionne de donner le poète, c'est bien entendu ce qu'il peut juger de plus digne en lui d'être aimé. Et bien sûr, non pas sa personne brute et commune, pour laquelle il peut n'avoir que fort peu d'estime, mais ce qu'il pressent de plus rare, de plus extraordinaire dans ses facultés, ce secret, cet intime, ce singulier dont je parlais plus haut, et mieux encore, cet inconnu. Ce qu'il ne sait pas lui-même avec certitude qu'il a, dont il sent cependant obscurément qu'il est fait, et dont il ne peut se prouver à lui-même qu'il l'a qu'en écrivant. Or, je l'ai dit, ses sentiments sont à peu près ceux de tout le monde, et il voudrait tant donner de lui quelque chose qu'il sent ne pas être de tout le monde. Ma rencontre s'est faite 5 ans avant sa mort. Et c'était à la suite du vernissage de l'exposition où était montré son livre avec Juan Gris, édité par son ami Thériade. François Chapon. À la suite, il y a eu un dîner chez une amie. Et alors, là, j'ai assisté à une merveilleuse scène qui est peu fréquente dans les dîners parisiens. Reverdy était très colérique, vous savez. Il avait des moments comme ça de passion, très inattendus, d'ailleurs, pour les gens qui étaient généralement stupéfaits. Et il y avait ce soir-là un monsieur qui, paraît-il, est très connu dans la musique italienne, qui s'appelait Chelsea. Bon, eh bien, Chelsea a prononcé une phrase imprudente, comme on dit dans les dîners où on n'a rien à dire, et je crois qu'il a demandé à Reverdy ce que vous considérez que l'art est limité. Alors Reverdy s'est mis dans une fureur, trouvant cette question sans doute idiote, et il l'a pris à la gorge. Alors, ça, c'était une image, vous comprenez, qu'on a rarement dans la société. Alors, moi, j'étais enthousiaste quand j'ai vu ça, j'ai... Alors, nous avons sympathisé, et dans la conversation, il avait dit qu'il avait envie de lire Spinoza, qu'il n'avait pas d'exemplaire de Spinoza. Alors, j'en avais un chez moi, je ne peux pas vous dire que c'était ma lecture de chevet, je mentirais, mais je lui ai fait porter le lendemain, et alors il a été touché de ça, et notre amitié a commencé de cette façon. C'est devenu une grande amitié qui... le surprenait parce qu'il disait qu'il n'arrivait pas à comprendre comment un homme jeune, il y avait une très grande différence d'âge entre nous, n'est-ce pas, et un homme déjà âgé pouvait communiquer de cette façon. Et pourtant, ça s'est très bien passé, c'était merveilleux. Et à l'époque, il vivait bien sûr à Solesmes, il faisait que des séjours assez courts à Paris, d'une quinzaine de jours à peu près. Mais c'était merveilleux parce que quand on était avec lui, on pouvait plus se séparer. Il vous retenait toujours, on finissait par passer la journée en sa compagnie. Et ça, c'est un souvenir d'un privilège très grand. C'était un homme extraordinairement généreux, humain, amusant. J'ai lu avec étonnement, sous la plume d'un grand écrivain, qui a d'ailleurs très bien parlé de lui généralement, l'affirmation qu'il était dénué d'humour. C'est absolument faux. D'abord, ça se voit dans ses écrits qu'il avait beaucoup d'humour, mais dans la conversation, dans la vie, c'était un feu roulant d'amusement, et je vois encore son regard et son rire devant certaines situations. Ça caractérise tout à fait sa personnalité, très libre, pas du tout pontifiante. J'adorais aussi cette simplicité. Je dois dire que de tous les hommes que j'ai rencontrés, j'ai rencontré beaucoup de gens illustres quand j'étais à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, c'est celui qui m'a le plus impressionné. Parce qu'il donnait vraiment la sensation du génie. Une vie, une œuvre. Pierre Reverdy, au bonheur des mots, par Sophie Nolot et François Connac. Il est fort probable que si l'on pouvait peser sur une hypothétique balance et mettre dans l'un des plateaux ce que nous sommes et dans l'autre ce que nous croyons être, le fléau de cette balance serait livré à une perpétuelle et violente oscillation. Nous allons constamment de haut en bas, d'un bord à l'autre.
et selon les variations de l'adversité ou de la chance, prêts à monter vers les plus hauts sommets comme portés sur de magiques ailes, ou à descendre vers le fond des plus sombres abîmes, irrésistiblement entraînés par le poids de formidables semelles de plomb. C'est le principe même de ce qu'il écrit. Ce qu'il écrit, c'est recevoir les choses et puis les mettre dans le désordre où elles apparaissent. Gilles Joannard. C'est la réalité de la vie, finalement. Dans la vie, les choses ne sont pas ordonnées. Elles arrivent. Quand on parle, par exemple, on passe constamment du coq à l'âne. Finalement, la technique de Reverdy, c'est celle du coq à l'âne. C'est celle de la discussion. C'est celle de ce qu'on voit quand on regarde, le regard qui erre à travers l'espace et qui voit des choses diverses, dont il fait une seule chose, dont il fait le paysage intérieur qu'il reçoit, ou la phrase qui comporte des éléments disparates, etc. Donc je pense que ce qui devait correspondre peut-être à une disposition naturelle, peut-être une dispersion du regard, de l'attention, du discours, etc., la propension qu'il avait à passer d'une idée à une autre, etc., finalement, il l'a mis sur le papier. Ce qui est rare. Est-ce qu'on déconseille à l'école? On vous dit toujours de suivre votre idée et puis de vous tenir à votre idée jusqu'au bout. Lui était l'homme du discours incohérent, c'est-à-dire l'homme de la réalité. Avec la douleur en plus, tout de même, dans ses poèmes. Ah, naturellement, oui, mais ça sert. De toute manière, tout est marqué au sceau de la douleur permanente. Une douleur qui n'affiche pas d'une manière romantique, qui n'est pas romantique, en tout cas. Oh, il y a des larmes. Et les larmes sont vraies, oui, chez Reverdy. Oui, les larmes sont vraies, c'est vrai, c'est vrai. Disons qu'il n'y a pas d'emphase, il n'y a pas d'effusion, mais vous avez raison, les larmes sont là, ce sont des larmes silencieuses. Né le 11 septembre 1889 à Narbonne, mort le 17 juin 1960 à Solesmes, entre les deux, il n'y a pas d'événement. Il n'y a pas de date, il n'y a rien. C'est merveilleux, écrivait Pierre Reverdy à Jean Rousselot, avant d'ajouter : il est bien entendu que ce qui importe, c'est ce que vous inventerez. C'est comme ça qu'il y a eu des dîners, il paraît qu'il y en a eu deux ou trois, alors qu'on ne trouvait rien à manger. À croire que tout le monde avait dévalisé quelques fauchons. Anne de Stahl. Il s'en souvenait, mais 40 ans après, Braque. En 60, il en parlait encore. C'est ça qui est très joli. Qu'on puisse dîner trois fois dans la vie avec quelqu'un et qu'on s'assoie toujours à cette table. Trois fois avec Reverdy. Avec Reverdy. Alors, Reverdy amenait des caisses de vin. Il paraît que parfois, il avait un peu bu. Il avait une voix et un accent magnifiques. Et les voix de ces hommes, Nicolas de Stahl avait une très très belle voix. Et Reverdy avait une voix absolument magnifique. Et j'ai l'impression, moi j'avais en dessous de 4 ans, que ces voix m'ont quand même impressionnée. Parce qu'on ne restait pas 2 heures, on restait l'après-midi. Il restait l'après-midi, ça je l'ai su par la suite. Et d'entendre rouler ses voix, ses propos, je crois que j'ai été personnellement... J'ai entendu un tonnerre particulier à l'origine de ma vie. Et ce tonnerre, je l'appelle le tonnerre de la poésie. On écrit pour toujours ou ça ne vaut rien. Il avait vécu une enfance tout à fait à l'extérieur de Petit Sauvageon, finalement, dans la campagne, dans ce mât, le borrio, comme on disait là-bas, en tout cas, à Moussoulins, entre Narbonne et Carcassonne, plus près de Carcassonne d'ailleurs que de Narbonne, mais enfin, c'est dans l'Aude toujours. La montagne noire. Donc, il avait vécu une enfance de petit garçon sauvage avec la rumeur de la rougeâne dans la tête. D'ailleurs, la seule fois où il en parle, tout en disant qu'on entend partout murmurer dans ses poèmes, alors que jamais il ne la mentionne. La rougeâne, c'est une petite rivière. La rougeâne est une toute petite rivière qui passe en bas de la propriété de son père, dont son père a été dépossédé à cause du phylloxéra, puisqu'il a été ruiné en 1907, à l'époque. Dramatique pour cette région-là. Donc le petit Reverdy a été expatrié, finalement, expatrié de ce monde où il devait galoper dans tous les sens, etc., et rapatrié vers la ville où il était né, d'ailleurs, mais il était devenu totalement un petit campagnard, plus que ça, même une sorte de petite bête sauvage, et jamais, c'est une blessure, il n'en parle pas, mais on peut supposer qu'il en a éprouvé une blessure très intense et qui est devenue une sorte de hantise permanente. Il ne désigne pas
les lieux, généralement, la lucarne, on ne sait pas où elle est, on ne sait jamais où sont les choses qu'il désigne. Je suis persuadé que beaucoup d'entre elles sont là près de la Roujane, à Moussoudens. Et la Roujane, d'ailleurs, s'il ne la cite pas, c'est vrai que dans ses poèmes, on retrouve une eau qui coule rose. Exactement. Il ne la cite pas, il ne la mentionne pas, mais il la cite finalement à travers son petit bruit. C'est une toute petite rivière d'ailleurs, c'est presque un ruisseau, bien sûr, musical. C'est une région qui est très austère. Le petit endroit où donc son père avait acheté cette propriété viticole, la Jonquerolle, ça s'appelle. La Jonquerolle, tout à fait, est très vert, parce qu'à cause de la rivière, bien sûr, et puis c'est dans la montagne, mais globalement, le Languedoc est plutôt austère et aride. Hein. Et on retrouve cette aridité et cette austérité dans la mentalité et dans le tempérament, et dans l'écriture même de Pierre Reverdy, qui était une sorte de, à la fois on peut dire, de presque sans être du tout un pratiquant, ni même un croyant de rien du tout, à mon avis, hein, malgré Solesme, enfin, on en parlera peut-être après, il était une sorte de cathare non avoué, non, peut-être non su de lui-même d'ailleurs, hein, et en même temps aussi un peu un huguenot finalement, un huguenot-sénol. Il avait cette caractéristique, sauf qu'il n'avait pas le gabarit, il était costaud, il a fait de la boxe même. Il voulait être boxeur. Il voulait être boxeur. Ou poète ou boxeur. Il avait le gabarit, mais je pense qu'il n'avait pas la résistance, et puis il ne savait pas, je crois, encaisser les coups, ce qui est aussi important que de les donner dans la boxe. Et donc, on pouvait très bien l'imaginer en paysan sévenol, sec, comme un sarment de vigne, sauf que lui était costaud. Le cœur dur. Je n'aurais jamais voulu revoir ton triste visage, tes joues creuses et tes cheveux au vent. Je suis parti à travers champs, sous ces bois humides, jour et nuit, sous le soleil et sous la pluie, sous mes pieds craquaient les feuilles mortes. Parfois, la lune brillait. Nous nous sommes retrouvés face à face, nous regardant sans nous rien dire, et je n'avais plus assez de place pour repartir. Je suis resté longtemps attaché contre un arbre, avec ton amour terrible devant moi, plus angoissé que dans un cauchemar. Quelqu'un plus grand que toi enfin m'a délivré. Tous les regards éplorés me poursuivent, et cette faiblesse contre laquelle on ne peut pas lutter. Robert Baubert, réalisateur d'Un siècle d'écrivains consacré à Pierre Reverdy, film écrit par Pierre Dumayet. Pendant que Pierre Dumayet écrivait le scénario, alors chez lui, les scénarios sont en même temps des portraits et des essais littéraires. Et moi, il faut que j'en fasse un film. Et bien évidemment, je ne vais pas m'amuser à illustrer ces mots, surtout comment illustrer des mots d'un essai littéraire. Mais je me suis dit, voilà, il faut que je fasse un film qui accompagne un petit peu. Voilà, il faut que je sois en harmonie avec ce qui est écrit. Et en lisant, je savais qu'il y avait trois lieux essentiels. La montagne noire où il a passé son enfance, Solesme de 26 à 60, et Paris, entre les deux, Place Émile Godot, enfin où le bateau à la voir, où il a fait la connaissance de Juan Gris, de Braque, de Picasso, d'Apollinaire. Enfin, d'ailleurs, c'est incroyable qu'il soit juste tombé à cet endroit-là, et que c'est un des poètes qui est le mieux écrit sur les peintres, sur la peinture. D'ailleurs, ce sont les poètes qui écrivent le mieux sur la peinture. Reverdy l'a dit, j'ai fait mes classes auprès des peintres. Voilà, oui, voilà. Il dit ces peintres pratiquent Rimbaud, par exemple. Alors j'ai été repéré, la montagne noire, j'ai été repéré à Solesme. Et une chose qui m'a paru évidente, il dit quelque part que la montagne noire sont les lieux où les ruisseaux cessent à peine d'être des torrents. Il suffit de se promener un petit peu, de voir cette nature. Je me suis dit, voilà, je vais filmer, je vais pas filmer l'eau, mais l'eau dans la terre, l'eau qui circule. Et à Solesme, c'est l'inverse. C'est le calme absolu. Entre les ornières lourdes, écrasées de soleil, l'animal écumant écarte l'air qui brûle, chargé d'odeurs de foin massacré, de fleurs à peine mortes, encombré du vol aigu des mouches délivrées au bâillement de la ligne des portes. Les plantes sont encore humides au bord de la chaussée, et les racines traînent parmi les pierres et les bêtes mouvantes. On comprendrait que cette eau fut la sueur du ciel, que les gouttes du front seront les boules au ton de cire et les larmes. Alors le tonnerre reverdit, mais c'est étonnant.
Parce qu'on ne savait pas, quand il parlait, ça c'est Mariette Lachaud qui le disait, Anne de Stahl, si c'était l'orage ou le beau temps. Et si le propos l'agaçait un tout petit peu et n'était pas intègre, il paraît qu'en plein déjeuner chez Braque, il quittait la table et allait manger avec Amélie et Mariette à la cuisine. En disant, avec une voix, un accent qui roule, je ne peux pas le refaire, avec un accent vraiment grave, d'orage en orage, ces gens m'énervent. Moi, je me rappelle qu'après, il n'était pas toujours facile, n'est-ce pas? Il y a eu des fois des séances un peu violentes. Il disait, il m'envoie un petit mot le lendemain avec 7 épis de blé qui portent bonheur, vous savez. Et il me dit, si vous croyez que c'est drôle d'avoir un caractère comme celui-là, eh bien, c'est ça. Dans sa violence, il y avait François Chapon. Un refus de pactiser, de composer avec cette époque dont il avait compris toutes les supercheries. Il ne faut pas oublier que quand il part pour Solem, n'est-ce pas, il a été un moment une sorte de chef de file derrière lequel se retrouvaient les jeunes surréalistes, n'est-ce pas? C'est l'époque aussi où il est le grand théoricien, j'insiste là-dessus, parce qu'on n'insiste pas assez du cubisme, beaucoup plus qu'Apollinaire. On met toujours Apollinaire en avant. Ça n'enlève rien au talent d'Apollinaire, bien sûr, mais Reverdy avait une vision pure de l'art, des formules du cubisme que personne d'autre n'a eu à ce degré. D'ailleurs, Braque l'a reconnu et Canveller aussi, qui était, il me semble, compétent en la matière. Donc, cet homme qui a une situation, on peut dire, extraordinaire, il voit en même temps les dessous de cartes, les compromissions qui commencent à se faire, n'est-ce pas? Même quand les surréalistes éditent littérature, il y a à ce moment-là une compromission avec Paul Valéry, avec André Gide, etc. Enfin, bon. Et puis, l'attitude de gens comme Picabia, comme Zara. Nous avons publié, quand même, justement, pour mettre les choses au point, une très belle lettre de Reverdy à Jacques Doucet, où il montre comment cette révolution à laquelle avaient pensé tous ces jeunes gens n'a pas abouti, n'a pas été jusqu'au bout, parce que tous, ils ont pris des ménagements vis-à-vis de la vie, vis-à-vis des ambitions, vis-à-vis... C'est assez étonnant de voir tous ces grands révolutionnaires devenir des collectionneurs. Ils ont tous fini dans la peau de collectionneurs. Ça ne vaut rien à leur génie, mais enfin, ça prouve donc que la rupture avec le monde constitué n'était pas totale, alors que chez Reverdy, je pense qu'elle l'était. De là, ce repli à Solem, qui a eu plusieurs causes. Vous savez, le départ de sa conversion, c'est presque amusant, parce qu'il m'a dit un jour, ben oui, Marc Jacob nous en parlait, etc. Et nous nous sommes dit, dans le fond, pourquoi ne pas essayer ça? Peut-être que ça nous portera bonheur. Comme ça, une espèce d'essai, si vous voulez. Bon, alors après, c'est devenu sûrement... une conviction qui n'a pas duré d'ailleurs, mais avec son enthousiasme habituel, il s'est donné complètement à la vie là-bas, faisant des œuvres de charité, tout ça, presque avec excès. Et forcément, très vite, il s'en est dégoûté, c'était inévitable, n'est-ce pas? Et bon, alors il a repris une vie autre. On était anticlérical en naissant, si bien que Pierre Reverdy n'avait jamais entendu parler de christianisme, ce qui paraît même étonnant. Stanislas Fumet. Et il me racontait qu'un jour, enfant, il était entré dans une église pour voir ce que c'était. Il a aperçu au-dessus de l'autel un grand pendu et s'est sauvé à toutes jambes. Jour à jour, ta vie est un immeuble qui s'élève. Des fenêtres fermées, des fenêtres ouvertes. Et la porte noire au milieu. Ce qui brille dans ta figure, les yeux. Tristes, les souvenirs glissent sur ta poitrine. Devant par vers en haut l'espoir, la douceur du repos qui revient chaque soir. Tu es assis devant la porte, tête inclinée. Dans l'ombre qui s'étend, le calme qui descend, une prière monte. On ne voit pas les genoux de celui qui prie.
avait en lui aussi cet homme du Midi, hein, qu'il était resté profondément, et dont on peut dire qu'il l'a été de plus en plus. Étienne Alain Huber. Il était déjà homme du Midi quand il est arrivé en 1910, mais il s'est retrouvé à Montmartre, dans ce village du Sud, qui est à ce moment-là Montmartre, avec ses Catalans notamment, les grands amis de sa jeunesse, étaient des Espagnols et des Catalans, qui avaient d'une part convivialité, une gaieté, ils aimaient danser, ils faisaient de la musique. Pierrette Gargallo a dû vous évoquer probablement ce personnage qui a laissé si peu de traces et qui était si important, qui s'appelait Soler Casabon, le musicien dont non seulement Reverdy adorait la guitare, il improvisait à la guitare, et c'est lui qui est en quelque sorte l'accompagnement musical du très beau conte à guitare endormie, mais qui en outre était un lecteur et un grand lecteur de Nietzsche. Et c'est par Soler Casabon et ses amis catalans que Reverdy est venu à Nietzsche, qui, au moment qu'il aborde une première fois dans les années 20, et puis qui, au moment où il s'est éloigné d'une religion pour laquelle il était enflammé, a été son livre de chevet. Bah, il retrouve dans Nietzsche quelque chose de fraternel, y compris lorsqu'il s'oppose à lui. Bah, Nietzsche est un frère à la fois ennemi et un frère aimé. Et comment vivait-il Reverdy dans ces années montmartroises? Il arrive à Paris dans les années 10, oui, il en part en 26 pour Solesmes. Oui, oui. Ben, il vit mal et en même temps il vit bien. Enfin, c'est paradoxal ce que je dis, mais il vit mal parce qu'il gagne sa vie comme correcteur d'imprimerie, ce qui rapporte relativement de l'argent, puisque les correcteurs, les typographes étaient des gens bien payés, syndiqués, enfin c'est ce qu'on oublie autrefois. Il fallait s'inscrire au syndicat d'ailleurs pour avoir un poste de correcteur, mais c'était une vie extrêmement éprouvante, puisqu'il travaillait la nuit, et il n'avait évidemment pas d'argent pour un ticket de métro, les métros étaient rares, on ne sait pendant la guerre, et puis il y a une heure, il n'y avait plus de métro. Il était épuisé par ses trajets nocturnes, n'est-ce pas, qu'il faisait dans un Paris sombre à cause de la guerre, et qui était inquiétant. Et puis il y a eu l'époque difficile, l'époque qui est évoquée de façon tellement bouleversante, n'est-ce pas, au début des ordres du soir, en ce temps-là, etc. Vous avez le livre sous les yeux, et une époque de privation. Mais en même temps, il y a à côté cette vie d'atelier, cette fraternité que la guerre, naturellement, a contribué à disperser, puisque Braque est parti au front, Picasso part en Espagne, en Avignon d'abord, ensuite en Espagne, puis à Rome, mais qui est demeurée longtemps, et cette vie de village, hein, lui est restée chaude au cœur pendant longtemps. Et il est probable que tous ces gens, au fond, qui venaient eux-mêmes de villages, hein, de villages d'Espagne, fraternisaient tout naturellement avec Reverdy, qui avait gardé au cœur cette impossibilité à vivre dans la grande ville, et en revanche, cette nostalgie du rocher, de l'eau, de la terre sèche, de la chaleur, du grand vent. Hein. Alors quand, en 1917, il y a une période qui évente particulièrement la butte Montmartre, il en éprouve une sorte de bonheur enivrant et en même temps déchirant. Il a l'impression de retourner dans sa jeunesse, une jeunesse dont il sent qu'elle est à jamais perdue. Je crois que chez Reverdy, on pourrait dire que, Guy Goffet, comme Claudel disait de Rubens, que Rubens est un peintre qui respire, eh bien, je pense que Reverdy est un poète qui fait respirer ces natures mortes, qui les recrée. En tout cas, il les fait fuir hors du réel, or il part du réel. Je crois que c'est un homme qui croit. C'est un homme joyeux. Il y a la joie en lui. La joie n'a rien à voir avec la gaieté. La joie n'a rien à voir. C'est une sorte de foi en l'être. Et c'est pour ça qu'il a, il a cette recherche constante. C'est pour ça que je me sens proche de lui. Et si la vie là-bas avec les peintres était si exaltante, pourquoi la quitter? Pourquoi ce repli de Reverdy vers Solesmes en 1926, ce qu'il appelle alors ce pas vers Dieu, oui. Et ce qu'il, oui, appellera plus tard ce pas de recul, c'est ça, devant la vie. Oui, c'est une petite note que j'aime bien citer, parce que donc Reverdy, vers 1920, connaît une crise intérieure
et puis connaît des angoisses physiques qui vont désormais accompagner presque sa vie quotidienne. Il a du mal à vivre physiquement même. Et puis, il a une vie très difficile. Il a, à un moment, il a abandonné son métier de correcteur. Il a pensé, après cette véritable célébrité qu'il a eue dans les années 1917-1918, il a pensé qu'il allait désormais pouvoir se consacrer à la poésie. Or, sont arrivés là-dessus quelques grands phénomènes dont on n'a pas besoin de rappeler, comme Dada, le surréalisme. Et il s'est retrouvé comme un ancêtre respecté, une référence. Breton le cite avec émotion dans le Manifeste du surréalisme. Le cite avec émotion, mais il se retrouve tout de même un peu en marge. Et puis, c'est l'époque où des littérateurs beaucoup plus en vogue, comme Cocteau, Paul Morand, etc., occupent devant la scène. Et il va se trouver dans une situation difficile. Et cette exigence, d'autre part, de pureté, cette incapacité, en quelque sorte, physique, à composer avec tout ce que la vie peut entraîner de compromissions, va le conduire à se réfugier d'abord pour des périodes de repos mélancolique dans une ferme de la Sarthe, où il va plusieurs fois séjourner dans un paysage assez pluvieux, assez triste. Et puis en 1920-21, dans des circonstances, enfin, là on entre un peu dans l'intimité, dans des circonstances à la fois émouvantes et singulières, il va être amené à la religion par Ma Jacob et il se fait baptiser. Il se fait baptiser alors qu'il a une trentaine d'années. Oui, c'est ça. Oui, il se fait baptiser, j'ai oublié la date, mais c'est en 1921, oui, à 32 ans, à Paris d'ailleurs. Et avec Max Jacob pour parrain. Avec Max Jacob pour parrain. Et puis, il va, en 1926, s'installer à Solesmes, où il est déjà allé à l'abbaye de Solesmes. Et il va connaître à ce moment-là une époque de piété quotidienne, enfin, assistant aux offices. Et c'est le moment où il écrit Le Gant de Crin. Bon, ce qui risquait de se passer, s'est passé. C'est-à-dire que d'abord, Reverdy, qui a un enthousiasme très sincère, enfin, une extraordinaire authenticité. Il a été en effet, enfin, il vit dans le milieu de, et dans la proximité de Jacques Maritain, enfin d'autres personnalités qui ont beaucoup compté dans l'histoire spirituelle de l'époque. Mais il vit aussi avec des, il connaît les moines, et parmi ces moines, il reconnaît que beaucoup sont des hommes, avec leurs faiblesses, leurs petites mesquineries. Bon. Et puis, brusquement, il va, cette foi qui avait été très ardente, en quelque sorte se désamorce. Alors pour lui, c'est une vie, une époque très difficile parce que d'une part, il va sortir ce Gant de Crin dans la collection Spiritualité qui s'appelle Le Roseau d'Or. Le Roseau d'Or, c'est une collection dont le titre est lui-même une citation de l'Apocalypse. Et puis, au moment où le livre se fabrique, c'est pas, il est loin de la foi. Il s'éloigne de la foi. Le soleil rôdait encore autour de la maison quand on ouvrit la fenêtre. Les ivrognes sont toujours là. Mais la chanson qui montait à la nuit a cessé. Maintenant, quelle voix m'appelle? Quelle douce voix appelle derrière le mur de droite, en riant? Les hommes sont là, endormis. Et ce n'est pas la même bouche qui chante. Une femme au loin pousse un cri. Sur le bord du balcon, ses doigts dépassent. Ils sont fins et pointus, et ce sont ces doigts que je regarde pendant qu'on m'appelle. De tous les champs, par tous les chemins, les gens arrivent en habit noir, en habit gris, et d'autres en bras de chemise. Une voiture emplit la route de poussière, la maison est bientôt pleine d'étrangers. Et comme personne ne chante, les hommes se sont réveillés, la pendule s'est arrêtée. Personne ne bouge, comme sur les images, il n'y aura plus de nuit. C'est une vieille photographie sans cadre. Oui, j'y reviens toujours parce que j'ai besoin de solitude pour me retremper. Jean Maison. À l'époque de ma découverte de Reverdy,
Vous aviez quel âge? Je pense que je devais avoir 12-13 ans. Puisque j'ai trouvé, pour la première fois, c'était en collection poésie, cette petite collection qui était de Gallimard. À l'époque, c'était un petit peu plus petit qu'aujourd'hui. J'ai découvert ça en même temps que Char, Dupin, et tout était un peu aligné comme ça. Vous lisiez ça à 12-13 ans? Oui. Je lisais les Lamartine, Nerval, bien sûr, mais après, j'ai découvert, par cette collection, ce qu'on appelait la poésie moderne. Et quand j'ai rencontré Reverdy, quand j'ai rencontré ses poèmes, le choc ne s'est pas démenti, puisque je suis sur la même trajectoire depuis, dans ma compagnie avec lui. Et ça fait quoi, un enfant de 12-13 ans, de lire Reverdy? On dit toujours que la poésie est faite pour parler au cœur et pour parler à tous, même aux plus jeunes. Là, tout d'un coup, avec Reverdy, oui, il y a une vraie possibilité de contact, même très jeune. Il y a quelque chose qu'on retrouve chez lui qui, me semble, se retrouve dans le fondamental des troubadours, par exemple, de Bernard de Ventadour. Il m'apparaît chez lui un souci de sincérité. Ce n'est pas un type qui va faire des effets. Il est dans une recherche, mais pas une recherche au prix d'un formalisme qui l'éteindrait. Pour un enfant, un jeune homme, un petit garçon passionné de poésie, tout à coup, c'est une révolution, Reverdy, quand on n'a pas l'habitude de lire ce genre de littérature. Mais ce n'est pas une révolution violente. C'est une prise de conscience de la distinction des mots dans un ensemble, dans la vie des mots, dans la vie de la langue. Il n'y a pas chez lui une volonté de rupture pour rompre. Ça ne l'intéresse pas. Il est dans la réalité de l'écriture, dans le temps où il est. Il est dans l'instant présent de son écriture et avec l'intensité corporelle et mentale enfin, qui va avec. Quand j'ai lu « Des routes » pour la première fois, « Je descends lourd, épais », etc., je me suis dit « c'est ça ». Plus que dérouté, alors? J'étais en face de quelque chose qui sonnait juste, et qui me parlait, et donc qui me parlait au cœur. La terre est souvent lourde sous les pieds, et encore bien plus sur le cœur et sur la tête, et l'homme s'allège en rêvant. Il se libère, ayant depuis toujours subi l'attirance magnétique du ciel, vers lequel il lève les yeux dans un mouvement qui les rive à cet arc magique, comme la limaille d'acier se rue aux branches dures de l'aimant. Il lutte entre deux attractions contraires et s'acharne à une perpétuelle tentative d'évasion. Mais la terre est épaisse et le ciel de plus en plus distant. Raison de plus pour resserrer et calculer méthodiquement les conditions de sa conquête. Après l'aventure horizontale dans tous les sens de sa boule natale, dont les mesures commencent à lui paraître dérisoires, l'homme se livre à l'assaut vertical et le ciel peu à peu se dérobe et se fond. Il ne reste plus à conquérir que l'espace. Pourtant, le vieux rêve mythologique n'est pas devenu réalité. Le propre du rêve est de ne jamais devenir réalité. Les ailes n'ont pas poussé sur les épaules. On croit voler alors que seulement, mais prodigieusement, il est vrai, on navigue dans les airs comme autrefois magnifiquement sur les mers. Il suffit de voir les poèmes de Reverdy, combien ils sont concrets. Guy Goffet. Or, ils sont mystérieux. Ils sont dans le concret de la vie, les mots, tous les mots sont d'une simplicité, il n'y a aucun mot recherché, aucun mot un peu surréalisant, il n'y a pas de surréalité, il y a la réalité, et pourtant, on passe, comme chez Rimbaud, du naturel au surnaturel, du visible à l'invisible. Il nous fait sentir l'invisible à travers du concret, à travers des banalités. J'ai relevé un poème dans la plupart du temps, qui sont des choses que, on entend dans la rue, mais qui, se succédant dans un poème, intervenant comme ça, au fil du rythme, tout à coup intervenant là, donne une puissance émotive et mystérieuse à ces textes. Je ne sais pas, on peut relire, on ne retient pas les poèmes de Reverdy par cœur. Ils sont quasi impossibles à retenir. On apprend des textes de Reverdy, moi j'ai essayé d'en apprendre. C'est impossible. Et c'est ainsi qu'ils sont neufs à chaque relecture. Parce que c'est fluide, parce que ça coule. Ça coule. Reverdy, on a l'impression que chaque vers est donné. Et c'est ça qui fait la merveille de Reverdy. Alors chez Apollinaire, il y a un jeu quand même. Apollinaire joue. Ouais. Il y a des enjambements qui ne sont pas du tout là chez Reverdy. Reverdy, tout est en suspens. Oui. Ou
mot à mot, mais ça ne sont des, pas parfois ça. Des sujets-verbes. Sujet-verbe complément, et ça fonctionne. Là est l'étonnement. La fenêtre. Un trou vivant où l'éclair bat, plein d'impatience. Le bruit a percé le silence. On ne sait plus si c'est la nuit. La maison tremble. Quel mystère. La voix qui chante va se taire. Nous étions plus près. Au-dessous, celui qui cherche. Plus grand que ce qu'il cherche. Et c'est tout. Soit, sous le ciel ouvert, fendu, un éclat où le souffle est resté, suspendu. C'est à 150 mètres de l'abbaye, hein. Enfin, c'est juste en face de l'entrée de l'abbaye, il y a une rue. Robert Bobert. Et voilà, dernière maison à droite, c'était sa maison. Et j'ai pu rentrer parce que j'avais les mains dans les poches, j'avais pas de caméra, etc. Il y avait quelqu'un qui était là et qui m'a montré la maison où les meubles étaient, enfin les chaises étaient sur les tables, il y avait énormément de poussière, voilà. Et puis on montait un étage et dans sa chambre, ce qui était sa chambre avec une petite lucarne, qui n'était pas ovale celle-là, il y avait juste un lit, c'est tout. Nous sommes allés voir la maison, nous sommes arrivés à l'angle de la rue et nous avons vu cette fenêtre avec les petits rideaux tressés. Et puis nous sommes avancés et là, nous avons rencontré un mur éboulé. Or, cette maison était close, bien sûr, était fermée de murs. Jean Maison. J'ai enjambé, il pleuvait averse. J'ai enjambé le mur, je me suis avancé dans le jardin. Donc là déjà, j'étais transféré dans un autre monde. C'est-à-dire que cette aventure, si vous voulez, n'a d'usage vraiment fort que pour moi. Mais elle est peut-être le produit de mon imagination. Enfin, c'est quelque chose d'un peu particulier. Parce que ce qui est vu sous un angle. C'est-à-dire que tout à coup, il faut savoir ce qui arrive, qui reste quelque chose de, finalement, à la fois ordinaire. C'est cet ordinaire qui devient extraordinaire, comme ce que j'ai toujours trouvé dans la poésie de Reverdy, puisque Reverdy, pour moi, est le poète qui arrive à nous plonger, par le geste le plus quotidien, dans ce qu'il y a de plus miraculeux dans la vie, et de plus subtil, sans faire d'effet. C'est-à-dire, nous sommes devant un fait, et nous sommes emportés dans une espèce de réalité objective qui n'est plus une réalité objective. Donc, dans ma foulée, je rentre dans ce petit jardin où il avait encore, donc, où il travaillait dans son verger. Enfin, j'ai vu les poiriers, et surtout, la première chose que j'ai vue après ce mur éboulé, c'était la porte d'entrée qui était ouverte avec les clés et une étiquette. Donc, je me suis avancé et j'ai vu le nom Reverdy sur une grosse étiquette qui était sur la clé et la porte entrebâillée. Il y avait encore son nom des années et des années après. Voilà. Donc je suis rentré. Il faut savoir que son épouse était décédée oui, quelques années. Oui, mais en 96, enfin. Voilà, quelques ouais. années auparavant. Je suis rentré dans la maison. Ouverte. Ouverte, poussée, pas accueillie. J'arrivais et je suis rentré un peu comme un visiteur presque. D'ailleurs, je ne sais pas s'il aurait apprécié, je ne sais pas, mais j'étais dans un mouvement du corps qui était formidablement puissant, on va dire. Et je suis rentré dans cette maison et je tombe sur des plans de réhabilitation qui étaient tenus par un cendrier. Cendrier, évidemment, je l'observe, je comprends tout de suite en voyant son style, sa forme, que c'est le cendrier, un des cendriers de Reverdy. Puis je vois l'escalier, qui me fait penser à l'escalier de la vallée au loup de Châteaubriand. Et voilà, en quelques secondes, on va dire, il y a un espèce de mouvement corporel qui s'opère et je suis transféré dans un autre espace-temps. Ça veut dire que vous arrivez pratiquement in extremis ? C'est ça. On arrive sans le savoir. Sans le savoir. Nous arrivons in extremis. Mais encore une fois, cette chose-là a de la valeur et n'en a pas. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose d'à la fois très important, mais aussi sans aucun intérêt, d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est l'intérêt qu'on veut bien lui porter à un instant donné.
Ce qui frappera plus tard mon imaginaire ou ma réflexion, c'est qu'est-ce qu'il reste dans la maison d'un des plus grands poètes après que l'essentiel de ce qui constituait son cadre de vie ait été enlevé, c'est-à-dire tout ce qui reste dans une maison avant que la déchetterie s'empare du reste et les artisans. Ce qui reste quand il n'y a plus rien de valeur. Exactement. En fait. Il y avait un certain nombre de choses, notamment ce qui m'a frappé le plus, c'est ce que j'ai baptisé à tort ou à raison le Christ de Gargalo, qui est une petite photo qui était comme ça sur le sol, avec une annotation de Reverdy portant le nom de Gargalo derrière, et qui représente pour moi, enfin à tort ou à raison, parce que je n'ai pas d'éléments pour pouvoir... je n'ai pas étudié cette question-là, disons. Mais ça compte beaucoup, tout simplement. Voilà. Ce qui a été extrêmement frappant ensuite, ça a été la nativité. Il y avait une petite nativité qui était une carte postale qui était punaisée au-dessus de son lit, que Mariette Lachaud lui a envoyée. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette carte postale, pour, évidemment, parce que tout ça se met en rapport avec ma propre vie, c'est qu'elle lui a envoyé cette lettre apparemment très peu de temps avant sa mort et qu'elle évoque à travers l'édition de Poète d'aujourd'hui son père. Et qu'elle évoque, père de Reverdy. Oui. Et qu'elle évoque également une phrase... Vous l'avez là, cette carte postale. Je ne vais pas trahir le mot. Voilà, c'est ça. Cette phrase qu'elle cite, c'est « Je respire avec mon cœur ». Évoquant son père. Et lisant ça, j'aggrave ma situation d'un point de vue de l'émotion, au sens... Mais il faut dire que c'est très émouvant quand même, cette carte postale assez enfantine. Oui. C'est une crèche, c'est avec des couleurs plutôt brillantes. Il y a un effet satiné. Enfin, oui. C'est une carte postale qu'on enverrait à une petite fille. Exactement. Et se dire que Pierre Reverdy, qui alors a... plus de 60 ans passés, oui. Il doit être vers 68-69 ans, puisqu'il meurt à 71 ans. Punaise, cette carte postale-là au-dessus de son lit, ce n'est pas rien quand même. Alors, je constate, si vous voulez, le fait que cette carte est punaisée au-dessus de son lit. Apparemment, quand même, c'est une réalité, puisque Mme Reverdy ne logeait pas là-haut. Apparemment, hein. Je n'ai pas... de moyens exacts de justifier oui, ça. Oui, mais une amie, donc connaissant bien Reverdy, lui envoie une carte postale qu'on n'enverrait pas à un vieux monsieur. Alors justement, c'est le goût des choses simples dans une puissance de cette simplicité. Reverdy, on sent que toute sa vie, il n'a pas été coupé du monde. Au contraire, il était dans le vif du monde, dans la chair du monde. Guy Goffet. Et il y écoutait battre son rythme à lui, cardiaque. Et il en retirait de l'émotion. C'est comme ça que je le sens quand je le lis. Je me sens happé par ce qu'il dit. Ému, touché par cette simplicité. Qui n'a pas le jeu apollinérien, qui n'a pas ses... C'est joliesse quand même. C'est arabesque. Il n'aurait pas dit que la guerre est jolie. Même si on peut trouver ça. Mais chez Apollinaire, il y a un jeu. Il aimait jouer. Il jouait avec les rythmes. Reverdy pas. Reverdy a un rythme intérieur qui répond, on l'a dit, au jazz. Je crois que l'intention profonde du poète, c'est d'être. Et d'être selon les exigences que lui impose sa nature et dont personne, ni lui-même, ne pourrait se rendre compte s'il ne parvenait pas à s'exprimer. C'est là que commence ce désir d'émouvoir dont vous parlez. Il a d'abord l'impérieux besoin de s'exprimer pour se prouver à lui-même son existence, trouver son identité, la seule qui compte à ses yeux. Le désir d'émouvoir ne vient qu'en second lieu. S'il est solitaire, c'est par fatalité, malédiction ou infirmité, pas du tout honteuse d'ailleurs, mais d'où il doit tout de même se tirer. Et c'est pour sortir de cette solitude, de toute façon assez difficile à supporter,
qu'il ambitionne d'émouvoir. C'est par l'émotion que son œuvre se montrera capable de provoquer chez d'autres âmes, si vous voulez, qu'il trouvera la preuve de l'authenticité de cette valeur pesante qu'il sent et porte plus ou moins péniblement en lui-même, et qu'il pourra rejoindre les autres hommes au seul point de contact où il pouvait les rencontrer. Une œuvre, c'est le lieu de rendez-vous que le poète donne aux autres hommes, le seul où il vaille la peine d'aller le trouver. Cet accent de bronze avec en même temps ses roulements rocailleux, c'était une voix absolument magnifique. François Chapon. Et il s'accordait et au propos et à l'homme. L'homme avait quelque chose de romain dans le visage, un visage très bien dessiné, avec des dents admirables, des yeux étincelants. Oui, c'était un accord parfait. Une vie littéraire de Reverdy, où les aspects biographiques seront effacés. Étienne-Alain Hubert. D'une part, souvent par contrainte, parce qu'il ne reste quasiment rien. Il ne reste même plus son passeport, sa carte d'identité, les photos de famille, tout a disparu. Qu'est-ce que c'est devenu ? Ceci de notre histoire, mais enfin... Mais c'est intéressant de savoir. La maison, ce n'est pas lui qui l'a détruit. Non, ça a été perdu, je pense. Et puis, lui-même entourait sa vie personnelle, qui a été une vie agitée sur le plan passionnel, en tout cas, entourée d'une très grande pudeur. Et il a, par exemple, marqué d'une façon formelle, il a même imprimé son hostilité à toute publication de correspondance. Dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 10 000 ans, ça nous mène loin. Je refuse qu'on publie ma correspondance. Il a pris soin de l'écrire, de l'imprimer dans le volume en vrac. Il y a une immense pudeur, si bien qu'on peut parler, je crois, de ce genre d'événements, évidemment, qui sont quasiment publics, mais entrer dans le petit jeu de l'intimité, je m'en garderai. J'ai déjà raconté, pardonnez-moi de me répéter, mais j'ai déjà raconté cette séance extraordinaire sur Jouve quand j'avais préparé l'exposition Pierre-Jean Jouve à la bibliothèque Doucet et la surveille de l'inauguration. Jouve m'appelle et me remet avec des mines, comme s'il me confiait un trésor inestimable. Il avait raison d'ailleurs, mais pas dans le sens où il le croyait. Une lettre de Reverdy où Reverdy avait simplement écrit « Il faut savoir attendre le miracle ou rien ». Et quand on connaissait Reverdy, on voyait bien que c'était le rien qu'il avait emporté dans sa lecture. Mais enfin, bon, je pouvais penser le contraire. Donc il me dit « Demandez-lui si cette lettre peut être exposée à... la... » Je dois dire que j'ai eu le pressentiment de ce qui allait se passer, mais enfin, j'y étais quand même. Le soir, je dînais avec Reverdy et je nous vois avant le dîner au bar de l'hôtel Voltaire où il s'était transporté. Et alors, je lui dis, mais vous ne m'aviez pas dit que vous aviez une correspondance avec vous. Et je sors la lettre. Et à ce moment-là, une espèce de fureur sacrée s'empare de lui. J'ai jamais vu un être comme ça. L'idée qu'on pouvait même montrer au public cette lettre qu'il avait écrite, il me l'a dit par la suite, pressé par M. de Sacy, qui dirigeait le Mercure de France. Il lui avait dit, vous ne répondez jamais au livre de Jouve, vous devriez quand même faire un effort. Donc il avait écrit dans les plus gros caractères. Bon. Cette affirmation. Alors il m'arrache la lettre des mains et il la met en 1000 morceaux. Il la déchire. Bon, alors ça, c'était tout à fait lui. J'étais pas autrement surpris, mais quand même un peu embêté, parce que le lendemain, Jouve m'a dit, alors qu'a-t-il dit? Comment a-t-il pris la chose? Oh, alors je voulais pas lui gâcher son inauguration. Je lui ai dit, oh, vous savez, il a eu une réaction...
inattendu. Je le rencontrais. Bon, alors Reverdy était formidable parce qu'il m'a dit, je sens très bien le mauvais pas où je vous mets et je vais écrire un jour, je vais absolument pour que vous n'ayez pas d'ennui, etc. J'ai dit, mais jamais de la vie, ça fait partie. Il m'a dit, d'ailleurs, cette lettre, déchirée comme elle est devenue autre chose et je vous la donne. Alors j'ai toujours dans mes papiers cette lettre en morceaux qui témoigne justement d'une de ses fureurs, vous voyez, parce qu'il n'avait pas supporté cette idée qu'on puisse exploiter, si vous voulez, une correspondance pour une publicité personnelle. Je ne supportais pas ça. Un plan dans votre documentaire assez frappant, c'est le moment où vous montrez ces bouts de papier et preuve que Reverdy écrivait sur tout. Oui. Ce sont les bandes qui entouraient les journaux qu'il recevait à Solesmes et il écrit tout du long sur la bande blanche. Oui, il était abonné. En fait, il avait un double abonnement. Il avait Henriette, ça s'appelait sa femme, elle est abonnée au Figaro et lui, il était abonné au journal Combat. On imagine les discussions qu'il devait avoir, parce qu'il y avait, surtout à cette époque, il y avait une grande différence entre les deux journaux. Mais il récupérait les bandes qui entouraient le journal et les remplissait. J'ai retrouvé justement, si bien que vous me faites penser, dans En vrac, qui sont comme ça des réflexions, des aphorismes. Et le titre d'ailleurs va bien avec ces bandes de papier voilà, journaux. Voilà, En vrac, oui. Et c'est, il dit « Je vis d'abord, j'écris parfois ensuite ». Mais il m'arrive de sentir davantage ce que veut dire vivre en écrivant. Voilà. Donc, il ne vit pas pour écrire, puisqu'il dit « j'écris parfois ensuite ». Et il m'arrive, donc ce n'est pas systématique. Mais l'écriture lui permet de comprendre ce que c'est que la vie, ce que c'est que sa vie. Et la vraie rencontre entre Reverdy et vous, Robert Baubert, elle s'est faite autour d'un poème en particulier. Ses têtes perdues dans le carnaval. Là, il y a quelque chose qui est tout à fait... Et c'est un poème que j'ai découvert après avoir fait le film. Il se trouve que j'écris aussi de temps en temps. Et j'ai écrit un roman, mais qui est en grande partie autobiographique, qui s'appelle Berg et Beck. Et Beck était un ami d'enfance. On habitait la même rue. Et quand il a fallu porter l'étoile jaune, lui et moi, on s'est attendu pour arriver ensemble à l'école. Et puis le 16 juillet 1942, il a été déporté, il n'est jamais revenu. Et puis dans le livre, j'allais souvent pour écrire. Le livre aussi comporte des lettres à Beck, des lettres faites pour être écrites et non pas lues. Et j'allais dans un café qui était bien placé, qui était entre sa maison, la boutique de son père, et la boutique de mon père, et ce café est au numéro 13, et moi j'habitais au numéro 30. Et ça, je n'ai pas pu être influencé par ce que je vais essayer de lire, parce que c'était ça. Je vais essayer de lire, mais je suis pas sûr d'y arriver. Ça s'appelle « Tête perdue ». Dans la rue où personne ne passe, entre le numéro 13 et le numéro 30, quelque temps qu'il fasse, tout ce jour-là et les suivants, je suis là, j'attends, je t'attends. De loin, de là-bas, de partout, d'où tu viens, tu ne reviendras pas. Tu as connu ce monde et l'autre, et tout ce que tu ne connaissais pas, ce que tu niais, ce dont tu riais, mais le soir où il a fallu partir, tu pleurais. Maintenant, la cloche sonne et je suis là. Près de moi, il y a des gens qui ne me regardent même pas. D'autres que j'ai vus qui ne me voient pas, des gens riches. Et d'autres qui ont du talent, enfin tous ceux dont on parle en ce moment. Et toi, où es-tu? Pourquoi n'es-tu pas encore revenu? Un grand bruit se fait dans la cour. Ce n'est pas encore pour moi, ni pour eux. C'est ton tour, te voilà, toujours triste. Quelle figure! Il y a des gouttes de pluie qui brillent dans ta chevelure.
Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que on dit que des fois on se rencontre dans une lecture. Et là, j'ai eu l'impression de me rencontrer, de rencontrer Beck, avec la précision des chiffres, des numéros de rue. Et j'étais là dans ce café à écrire ces lettres à Beck, comme si je l'attendais, comme si j'allais le voir, sachant qu'il ne reviendrait pas. Et tout est dit admirablement par Reverdy, qui a écrit ça, je ne sais pas, un demi-siècle avant. Alors, bon, si j'étais mystique, je dirais que tout était écrit, etc. Mais ce n'est même pas le cas. Alors, c'est là, je vis avec ça. Et c'est comme ça. Le titre de ce poème est donc « Le cœur dur ». Alain Cuny. Mais Pierre ne savait pas ce que c'était qu'un cœur dur. Il était, je m'en porte garant par ce que j'ai de meilleur, il était quelqu'un d'immaculé. Je crois que sa conduite a été sans faute et sans cœur dur. Je n'aurais jamais voulu revoir ton triste visage, tes joues creuses et tes cheveux au vent. Je suis parti à travers champs, sous les bois humides, jour et nuit, sous le soleil et sous la pluie. Sous mes pieds craquaient les feuilles mortes. Parfois, la lune brillait. Nous nous sommes retrouvés face à face, nous regardant sans nous rien dire. Et je n'avais plus assez de place pour repartir. Je suis resté longtemps attaché contre un arbre, avec ton amour terrible devant moi. Plus angoissé que dans un cauchemar. Quelqu'un plus grand que toi, enfin, m'a délivré. Tous les regards éplorés me poursuivent. Et cette faiblesse contre laquelle on ne peut pas lutter. Je fuis rapidement vers la méchanceté. Vers la force qui dresse ses poings comme des armes, sur le monstre qui m'a tiré de ta douceur avec ses griffes, loin de l'étreinte molle et douce de tes bras. Je m'en vais respirant à plein poumon, à travers champs, à travers bois, vers la ville miraculeuse où mon cœur bat. J'ai rencontré Pierre Reverdy lorsque j'avais 16 ans, 16 ou 17 ans, dans la clôture de l'abbaye de Solesmes, où je m'étais réfugié, davantage pour trouver un abri que pour faire réellement une retraite spirituelle. Et dans la clôture, un beau matin, il faisait très beau, j'ai vu un petit homme, brun, se tenant très droit, même presque cambré, et avec des dents éclatantes. Je crois bien qu'il était relativement trop bien habillé pour un homme vivant à la campagne. Mais je ne suis pas sûr, tellement ce souvenir est ancien, que je ne confonde pas avec le costume croisé bleu marine qu'il portait toujours quand il venait à Paris, et sur une chemise de flanelle beige, jaune clair, avec un nœud papillon. Alors, ce matin-là, il parlait avec un de ses amis bénédictins. Et alors, je ne sais pas s'il est venu vers moi ou si le père m'a fait signe d'approcher. Toujours est-il qu'il m'a présenté à Reverdy, qui était souriant, chaleureux, avec son accent narbonnais. Il parlait comme ça, n'est-ce pas, mon cher Alain? Et il était 11h30, c'était avant le déjeuner. Il m'a invité à venir le voir l'après-midi même.
Je rencontre un jour André Duboucher. Anne de Stahl. Beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. André Duboucher me dit, tu sais que Reverdy, pour moi, c'est le grand poète. Alors je me dis, c'est étrange, parce que moi, quand j'ai découvert Dans la chaleur vacante, il y avait un léger timbre qui me rappelait les lectures que j'avais faites de Reverdy. C'est-à-dire la phrase posée à même le silence, sans que son histoire vous ramène à quelque chose de gagnant. C'est-à-dire, de phrase en phrase, quelque chose qu'on perd. Et ça, pour moi, c'est la grande poésie aujourd'hui qui a marqué le XXe siècle. C'est que, par rapport au chaos du XXe siècle, ces gens l'ont senti et se sont dit, la seule chose, c'est de revenir au réel. Et le réel, pour moi, c'est cet abandon dans lequel ils écrivent, eux-mêmes se sentant terriblement abandonnés. Tout est coloré chez Reverdy. Guy Goffet. Une cavalcade, ou comme il y a dans son dernier poème, c'est coloré. On voit la cavalcade. Il n'a pas besoin d'adjectifs. Vous avez remarqué qu'il y a très peu d'adjectifs. Il les fuit, les adjectifs. Il y en a, bien sûr, mais le moins possible d'adjectifs. Tout est dans la couleur des mots. Quelle belle écriture, hein, c'est superbe. François Chapon. Et c'est généralement sans rature, hein, ce sont des manuscrits. Il y a plusieurs auteurs comme ça qui ont cette espèce de don de source, qui n'ont pas besoin de revenir sur leur texte. Moi, ça me rappelle Picasso qui faisait ses dessins avec le stylo et la contrainte de ne pas lever la pointe du stylo. Et oui. Des dessins fabuleux en un seul trait, en fait. Oui. Et Reverdy a ça un peu. C'est intéressant que vous évoquiez d'ailleurs là Picasso, parce que Picasso avait été très frappé par le graphisme du manuscrit du Chant des Morts. Quand on lui a montré pour lui demander une illustration, et il a dit, mais ça tient très bien par soi-même, on n'a pas illustré cette écriture. Et vous savez comment il a pratiqué alors l'illustration qu'on lui demandait, c'est-à-dire sous la forme, en somme, d'enluminure, si vous voulez. Ce sont des balafres rouges qui évoquent une danse macabre, le sang, les os, n'est-ce pas, mais qui enlacent l'écriture. Et rarement, Picasso s'est prêté à un tel respect de l'auteur. À part les livres qu'il a fait avec Ilias et ce livre, Le Chant des Morts, je crois que sans ça, il a toujours agi à sa guise sans se soucier du texte, même avec Major Club d'ailleurs. Et les femmes dans la vie de Reverdy, Tina Hubert, vous disiez tout à l'heure à mots couverts qu'elle était la fougue de son tempérament. On connaît le prénom de son épouse Henriette. Oui, on n'en sait pas grand-chose. Écoutez, je me sentirais gêné d'en dire beaucoup. D'abord, c'est presque le 10e anniversaire de sa mort. Henriette Reverdy est morte en novembre 1996. On sait comment ils se sont connus ? Oui, c'est-à-dire qu'elle fréquentait... Reverdy l'a raconté d'ailleurs, je crois. Il l'a raconté quand Rousselot et Manol ont fait le petit livre de chez Segers et il leur envoyait son modèle. Il l'a connu dans un atelier. Alors, comme toutes ces dames, comme la femme de Juan Gris d'ailleurs, comme Josette Gris, la femme à laquelle vivait Gris, ces dames étaient couturières. Hein, et elles aidaient, par leurs travaux de couture, elles aidaient leur conjoint ou leur compagnon artiste ou poète à survivre. Hein. Et le souvenir que j'ai entendu parler de Madame Reverdy par plusieurs personnes, c'était une femme d'une extraordinaire beauté, une blonde séduisante. Moi, je l'ai connue dans son très grand âge, et c'est un souvenir
qui reste très cher à mon cœur, à celui de ma femme. Elle nous a reçus avec une simplicité, un détachement, une absolue. Et vous savez qu'à la fin de sa vie, elle s'était dessaisie au profit de... où elle s'était dessaisie d'un certain nombre de choses. Enfin, elle avait vendu à la Fondation Mac un certain nombre de choses, pour de façon très modique, n'est-ce pas, sans en chercher aucun avantage, seulement pour elle-même arriver à survivre. Et c'était pour que quelque chose reste de cet homme, avec lequel, évidemment, la vie n'a pas été toujours de tout repos, mais auquel elle vouait un amour, elle continue à vouer un amour fait de ferveur, disons, de longue durée, sur la longue durée. Et l'idée d'un Reverdy grand séducteur, Brassailles parle de lui comme d'un homme qui aimait bien manger, qui aimait bien les oui, femmes, bien sûr, oui, Rousselot bien sûr. De même. Oui, oui. On cite même une vive admiration de la part de Coco Chanel qui l'aurait aidé oui. à son insu dans la publication de livres. Oui, alors là, j'en reste encore une fois à ce que je pense que Reverdy aurait accepté qu'on puisse dire. Chanel, il a été d'abord très soutenu par une personne qui a traversé plusieurs générations d'écrivains et qui était Missia Certes. Alors Missia Certes l'a rencontré, je pense, par les Berthelot. Elle a tout de suite été c'est une femme d'un goût très sûr. Elle a été très séduite par Reverdy et elle l'a aidée. Missia Certes, évidemment, d'une autre génération. C'est là, vous savez, c'est cette. Nous avons tous dans l'esprit la charmante nuque de Missia Certes sur les tableaux de Villard ou sur les portraits par Bonnard. Et on sait quelle amitié amoureuse lui portait mal armée. Mais elle avait gardé pendant très longtemps ce charme. Et elle a été avec Reverdy, elle a reconnu Reverdy. Et c'est elle, par exemple, qui l'a aidée à publier certains de ses livres, notamment Cravate de chanvre. À ce moment-là, Reverdy ne peut plus publier à bon marché, comme il faisait, enfin avec ses moyens du bord, comme il faisait pendant la guerre de 1914. Et c'est elle qui a beaucoup aidé les éditions de Reverdy dans les années 1922-23. Et Reverdy a toujours une immense reconnaissance. Et je pense que c'est probablement aussi par Missia, qui était une amie de Chanel, qu'il a connue, Gabrielle Chanel, pour laquelle elle avait une grande admiration et qui avait eu, elle, une immense admiration pour le poète Reverdy. Pendant les propos, évidemment, qui ont été rapportés par les nombreux mémorialistes qui, souvent en se répétant, nous font revivre un peu les conversations de Chanel. Chanel, en quelque sorte, dit « Cocteau, ça n'est rien, Apollinaire, c'est pas grand-chose. Le grand poète de notre siècle, c'est Reverdy. » Et il y avait entre ces deux êtres, il y a eu une sorte de reconnaissance mutuelle. Et en plus, Reverdy était fasciné, je pense, par l'intelligence de Chanel, et puis aussi par toutes les qualités qu'elle avait, que lui n'avait pas. Soit c'est une femme d'action, une femme de volonté. Hein, alors que lui était un être, évidemment, du tourment. Hein. Et d'où cette longue amitié qui a toujours duré. Et Chanel a été, pour Reverdy, je pense, une présence tutélaire quasiment jusqu'à la fin. Il habitait à ce moment-là généralement l'hôtel Montalembert et nous retrouvions là. J'avais une très bonne amie à l'hôtel Montalembert pour qui il éprouvait un sentiment très vif. Donc nous passions des journées ensemble. Et quelquefois nous nous promenions et même il a fait un grand effort, je dirais, sur ses habitudes. Parce qu'elle et moi, nous lui avons demandé un jour de visiter Montmartre avec lui. Il avait horreur de ses retours sur le passé, et généralement, bien sûr, il ne s'y prêtait pas. Mais là, très gentiment, il a accepté, et je dois dire que j'ai gardé un souvenir émerveillé de cette promenade au bateau Lavoir, où il nous a montré la place où des garnements étaient en train de turlupiner Marc Jacob, qui était en proie à ce moment-là à une ivresse due à l'éther. Et alors, il a appelé son voisin, il a dit « on va aller lui donner un coup de main, on va le tirer de là ». Et ce voisin, c'était Jean Gris. Et c'est comme ça que... Il a commencé par entrer dans ce cercle prestigieux du bateau Lavoir.
J'ai rencontré par hasard dans un dîner Jean Lemary, qui suivait la parution d'un de ses livres avec Jean de Gris. C'était à l'hôtel Montalembert, et moi je descendais à ce moment-là, j'habitais à Genève, je descendais dans l'hôtel. Et alors vers 11h, il en a eu assez, il a envoyé promener tout le monde. Alors moi je lui ai demandé, est-ce que je dois partir aussi? Alors il m'a dit non, restez là. Et alors on a passé pratiquement toute la nuit jusqu'à 4h du matin à bavarder. Et je l'ai revu plusieurs fois dans cet hôtel où il revenait. Et après sa mort, la gérante de l'hôtel m'a demandé de venir dans la chambre de Reverdy, où je n'ai resté qu'une seule nuit. Et là, elle m'a confié le manuscrit de son dernier poème, Sable mouvant, qui n'a été publié que 4 ou 5 années plus tard, que j'ai appris par cœur et que j'ai porté avec moi, justement, et que je ne cesse d'ailleurs de porter avec moi, qui est, je crois, un des plus beaux poèmes de la langue française et un des plus bouleversants. Cheval perdu dans l'air après la cavalcade, mirage du désert, oasis ou cascade, je suis sorti du port par un étroit passage et je rentre à la mort démuni de bagages. D'un regard clair et sec, j'observe la dislocation de la parade, la débâcle, la débandade des troupeaux fauves dans les bois. André Duboucher. Je m'étais engagé beaucoup trop loin déjà, dans les méandres de ce sinistre labyrinthe plein de broussailles et d'épines, d'arêtes de poissons, de débris de cantines, d'écailles de chansons. Alors, je prie le ciel que nul ne me regarde, si ce n'est au travers d'un verre d'illusion, retenant seulement sur l'écran glacé d'un horizon qui boude ce fin profil de fil de fer amer, si délicatement délavé par l'eau qui coule, les larmes de rosée, les gouttes de soleil, les embruns de la mer. Il aimait tous les poèmes de Reverdy. Il aimait la démarche de Reverdy. Il aimait l'homme. Il aimait chaque phrase de Reverdy. Alors un jour, Reverdy devait écrire cette émotion appelée poésie pour la radio. Il écrit ce texte. Je crois qu'André était au courant. Il téléphone à André. Il lui dit « J'ai mon texte, cette émotion appelée poésie. » André, me permettez-vous, avant que j'aille à la radio le lire, de venir le lire chez vous, vous le lire? André dit, mais venez tout de suite. Pierre Reverdy se met à lire cette émotion appelée poésie tout en entier. André me dit, j'étais transi, mais lui, à la fin, on peut reparler d'orage et de tonnerre, le propre orage qu'il avait créé l'a foudroyé lui-même, et il est tombé en larmes à la fin de la lecture dans les bras d'André Duboucher. Et André m'a dit, c'était un des plus grands moments que j'ai jamais vécu. C'est-à-dire qu'il arrive quand vous faites quelque chose dont avait habité par tous les désespoirs, jamais par le triomphe, eh bien, il arrive que ce que vous créez vous retombe dessus, et là, vous fasse un petit signe. Vous avez là dit quelque chose que vous ne savez pas que vous avez dit, et qui vous illumine un instant. Et l'illumination, là, c'était fondre en larmes. Une émotion appelée poésie, je lis ça une fois par mois. C'est vrai? J'en ai besoin. J'ai besoin de cette phrase simple. Alors, le poète donnant ce qu'il a de plus précieux en lui-même, le lecteur le recevra à son tour, dans ce qu'il a de plus particulier, de plus intime et de plus élevé. Ainsi, l'unique et l'unique se joignent dans l'essence de leur différence, si vous me permettez cette torsion du poignet. Justement, on évoquait un des derniers poèmes de Reverdy,
C'est un poème de jeunesse. Et c'est un poème pour moi qui est lié à beaucoup d'émotions parce que Madame Verdi me l'a donné. C'était un poème qui probablement est de 1915-1916. Et elle m'avait, quelques jours après, je reçois par la poste ce poème dans une enveloppe en mauvais état. Elle l'avait déjà réparé du scotch. Et voilà le texte, un poème qu'elle avait prié Reverdy de retrancher d'un recueil. Je pense que ce sont les arts du doigt parce qu'elle le trouvait trop triste. Et voilà le texte, alors qui est encore une forme régulière, c'est 1915-1916. Nous nous retrouverons au soir sur le rebord de la Marchelle, aux abords humides du puits, lorsque nous n'aurons plus d'espoir d'aller plus avant dans la vie, quand donc cette heure viendra-t-elle ? Nous nous redirons nos efforts, nos courses vers l'insaisissable, que le roc le plus dur est plus mou que du sable lorsqu'il faut nous y maintenir. Enfin, qu'il fût bien dur de vivre notre existence douloureuse pour un peu de gaieté trompeuse qui nous empêcha de mourir. Et là, nous goûterons le soir sur le rebord de la Margelle, attendant que vienne la nuit aux abords humides du puits. Bon, c'est un poème rimé, bon, 4 en strophe. Et alors, ce qui est très émouvant, c'est que Reverdy, à la fin de sa vie, en 1950, il a porté sur l'exemplaire de tête de main-d'œuvre qu'il destine à sa femme cet envoi. « Chère Henriette, voici le soir. Je ne sais où est la Margelle, ni le puits, ni la ritournelle. Mais avant la nuit qui appelle, alors ici apparaît le titre main-d'œuvre, au cadran de la vie cruelle, la lampe baisse, il se fait tard. » 25 janvier 1950. Bon, c'est une chose qui me trouble beaucoup. Voici un garçon qui a 22, 23 ans, qui écrit un poème, en quelque sorte de l'outre-tombe, un poème de vieillesse, et puis parvenu réellement à, dans les allées de la vieillesse, il se retourne vers ce poème de jeunesse qu'il qualifie ici de ritournelle. Mais ce qui reste passionnant, c'est la part personnelle qu'il prenait dans la création de ses premiers livres, qui étaient édités dans une petite imprimerie montmartroise qui s'appelait Birou, n'est-ce pas, et où il allait lui-même, avec Madame Reverdy d'ailleurs, composer. Très souvent, on le laissait faire, n'est-ce pas, parce que les autres n'y voyaient pas d'inconvénient. Et c'est là où maintenant, alors, les exégètes interprètent, peut-être d'une manière excessive d'ailleurs, le rôle des blancs, qui est certes considérable, mais enfin, il ne faut pas non plus exagérer. Mais il a pris une part à ce moment-là très active sur la chair même, je dirais, du volume, sur sa consistance, sur la disposition des blancs, des interlignes, des... Bon, alors de là à dire que c'est, par exemple, c'est un poète cubiste, c'est une erreur. C'est pas du tout la même démarche que la démarche des cubistes, pas du tout. Il n'y a pas de collage chez Reverdy. Il y a toujours le sens qui dit la chose. Oui, absolument, absolument. C'est d'ailleurs une poésie extraordinairement pure, qui est détachée de toutes les sources auxquelles ont eu recours la plupart de ses contemporains. Je pense à Apollinaire, ça leur ôte rien d'ailleurs, mais je pense à Apollinaire, à Max Jacob, à Sandrars, dont l'œuvre, si vous voulez, peut plaire aux universitaires dans la mesure où elle a un recours permanent à d'autres œuvres, à d'autres lectures, etc. Tandis que chez Reverdy, c'est la pureté absolue. Vous ne trouvez pas de référence à une tradition culturelle ou comme ça. Ça jaillit comme ça, spontanément.
Et c'est intéressant parce qu'en même temps, c'est une œuvre qui est tout à fait en dehors du temps. Et c'est là où Étienne Alain Huber va avoir du fil à retordre en ce moment, où il met sur pied l'édition, comme vous savez, des œuvres complètes, parce que c'est une œuvre qui n'a pas de chronologie, et Reverdy n'en voulait pas. Quand Maurice Sachs édite Source du vent, n'est-ce pas, il lui demande les derniers poèmes qu'il a fait, mais Reverdy lui envoie des poèmes qui s'étalent sur 10-20 ans, n'est-ce pas, pour lui, ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas une évolution de la poésie. La poésie est un phénomène immédiate qui n'a rien à voir avec l'expérience de la vie, encore moins que le vieillissement. Mais avec le temps, à partir de Ferraille, par exemple, il a eu, je pense, une espèce de crainte, d'appréhension de ne pas dire tout ce qu'il avait à dire, de sombrer presque dans une sorte de sécheresse. Il a craint cela, ça ne veut pas dire qu'il y était tombé, mais lui, il a craint cela. Et alors, ses poèmes, à ce moment-là, ont une sorte d'ouverture qu'il n'avait pas jusque-là sur l'autre. Le tutoiement, à mon avis, se manifeste beaucoup plus dans ses poèmes de la seconde partie de sa vie. Il y a une espèce d'ouverture, il y a un refus de ce repli qu'il avait privé par pudeur d'exprimer peut-être ce qu'il avait de plus précieux. Et puis alors, il y a un autre personnage qui apparaît dans cette poésie à ce moment-là, qui a toujours été sous-jacent, parce que c'est une poésie quand même où le néant est toujours évoqué, mais c'est la mort. Et la présence de la mort va se faire de plus en plus insistante dans les derniers grands poèmes, n'est-ce pas ? Et alors je trouve absolument superbes ces poèmes du Chant des Morts, par exemple, n'est-ce pas ? Où il y a un lyrisme, il y a un rythme amplifié chez lui qui relève de la très grande poésie à laquelle il a toujours appartenu, d'ailleurs. Mais là, il ne faut pas dire que c'est une œuvre repliée sur elle-même et constamment enfermée dans une sorte de rythme monocorde. Non. C'était Une vie, une œuvre, Pierre Reverdy, avec François Chapon, Gilles Joannard, Anne de Stael, Robert Bobert, Étienne Alain Huber, Guy Goffette et Jean Maison. Voix d'archives, Pierre Reverdy 1952, Michel Bouquet 1975, et André Duboucher, 1995. Avec les présences aussi de Jean Topard, Stanislas Fumet, Alain Cuny et Jean Lémarie. Équipe technique, Laurent Macchetti, Annick Brayen, Pierre Mine et Marie-Dominique Bougaud. Pierre Reverdy au bonheur des mots, une émission de Sophie Nolot réalisée par François Connac. Fonds secret, Pierre Reverdy, 12 novembre 1937. Non, ce n'est plus déjà la tribune de l'horizon où les mains parlent, et la fin noire a contourné tous les rochers. Dans les repères mal garnis à contre-jour, sur la façade à peine cicatrisée,
quand la résine des soucis va goutte à goutte, de la peine à la vie et de la tombe à la lumière, sous les palmes de la clairière à feu couvert, à temps perdu, à temps passé, sans un détour à tous les coudes, s'il faut cueillir ses souvenirs comme des fleurs, dans la piscine des forêts, dans la laine des routes sans couleur, quand il fait trop frais dans les rides des gouffres, pendant que les lutteurs gonflent leurs manches de leur souffle, tout le long des talus de sel sur la frontière de l'été, avec la fatigue de tracer tant de signes sur le grain blanc à peine ramassé, le noir me suit entre les doigts agiles de la nuit, plus fécond que les interstices des saisons où se déchaîne la tempête, plus sec que le désir au coin du mouvement des membres, sur la langue du temps, le sel bleu et la cendre. Avec moi, sous le vent perfide et le cœur désuni, abîme des oiseaux et des jours sans rien faire, fortune vaine et liberté flétrie, les heures sans écho dans les mains qui s'enchaînent, les plombs de la chaleur s'écrasent sur la peau, avec les épines du jour, la pensée surmonte sa fièvre. Le bol de l'aube déborde au tremblement de la main qui s'étire, et la joie du retour illumine ton front. Un baiser sur la joue confuse du matin, un cri au fond de la douleur malsaine. Quand je vais consulter l'oracle de papier, quand tout est reconnu entre les mains des signes, sur la tempe grise du jour, en pleine saison de fortune, quoique la pente du destin attende son tour dans la brume, dans la ruelle du bonheur, des cris de faim, un bruit de ruisseau clandestin sous les feuilles, et la voix libre sans entrain qui domine tout le tumulte. À peine la fatigue aux pieds, à peine la mort dans la main, toutes les plaques du bonheur dissimulées dans la doublure et la fleur du plaisir dans le filet mouvant des traits encore mal dessinés de ta figure.